Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant une commande Keeper créatif. Ouais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé. Déjà parce que c'était le trafic pour aller récupérer les cartons et tout, donc avec le Covid, c'était pas évident. Il y avait des queues, c'était impressionnant. Donc voilà, j'avais laissé tomber. Je me suis dit, bon, tant pis, on reprendra tranquille après. Voilà. Donc voici donc une petite commande, alors pas très grande. Hein. J'ai commandé de la laine. Alors je vais vous montrer ma laine. Voilà, c'est de la laine en polyamide. C'est pas en acrylique, pardon. Acrylique et polyamide. Hein. C'est fabriqué en Italie. Donc c'est pas, ça vient pas de chez les. Donc voilà, avec la même marque partout. Voilà, celle-ci est fluo, jaune fluo. Celle-ci, c'est jaune, on va dire, pas canard, hein, c'est jaune paille, hein, je dirais. Celle-ci est vert, un petit peu plus soutenu que le pastel, et blanc. Voilà. Donc elle se tricote avec. Moi, c'est pour les robes des poupées, tout ça, hein. C'est pas pour. Voilà. Donc, elle se tricote avec des aiguilles 3, 3,5 et crochet 2,5, 3. Ouais. Un peu épaisse quand même. Donc, bon, je verrai ça. Voilà. Déjà ça. Ensuite, j'ai repris du coton, toujours pareil, hein, pour mes poupées. Mes poupées, mes petites créations, voilà. Donc ce coton-là, il est assez épais quand même, hein. C'est pas le 0,05, il est assez épais et eux, ils viennent d'Italie aussi. Donc le crochet, je vais vous dire ça. Donc il y a déjà une longueur, ça, celui-ci c'est pur coton, hein, bien sûr. Ben oui, c'est marqué dessus, comme le port salut, 100% coton. Alors le rose pastel, là, il est magnifique. Voilà. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas le degré de. Non, il n'y a pas. Ah si, pardon, 3. Il faut du 3. Bon, ça m'étonnerait. Moi, je vais le tricoter comme je fais d'habitude. Je fais des tests, moi. Parce que je le trouve quand même assez gros. Voilà. Moi j'ai des fils, j'ai du fil de coton beaucoup plus fin que ça. Bon, c'est pas grave, moi c'est pour faire des fleurs sur les petites robes, tout ça, enfin, pour agrémenter les robes. Alors pareil, j'ai pris une jaune paille, un blanc, un rose et une couleur pêche abricot à peu près. Hein. Je ne sais point vous dire. Moi, pour moi, c'est un pêche, voilà, un pêche. Ok, voilà, je vous le mets comme ça. Ils sont pas mal, et au niveau du poids, il y a quand même pas mal. Hein. Et donc là, on en est à 100 grammes, et c'est du 270 mètres. Donc, c'est exactement les mêmes qu'on achète en magasin. Moi, je les ai achetés à Bazarland, mais c'est pareil quoi, hein. Sauf que c'est une autre marque. Là, c'est la même marque que les laines. Voilà. C'est Staphyl. C'est italien. Ensuite, j'ai pris. Enfin, j'ai repris parce que là, je commençais à arriver à épuisement. Alors, je me suis repris le stock de double face. Donc, celui-ci, le 9 mm. En, voilà, vous pouvez le voir, c'est 1 cm à peu près, un petit peu plus petit qu'un centimètre. C'est vrai que des fois on a des petits projets d'un centimètre et voilà, des fois ça dépasse, alors bon, c'est compliqué. Tandis que là, ben, il rentre pile poil. Voilà, donc là il y a 20 mètres sur un rouleau. Voilà, ensuite j'ai repris donc celui-là, c'est le même, c'est du 9 mm, mais celui-ci est beaucoup plus costaud, c'est-à-dire ça dépend les collages que vous voulez faire. Pour une carte, tout ça, vous pouvez mettre celui-ci. Après, pour des choses un petit peu plus qui risquent de bouger, comme une boîte,
Bon, bah, il vaut mieux mettre du rouge, hein, c'est du strong, extra strong. Voilà, c'est marqué dessus. Là, on en a 10 mètres pour les verts, là. Pour les rouges, on en a 10 mètres. Et ici, 20 mètres. Et j'ai repris donc ceux-là. Hein, moi, je les affectionne, les 3 mm. 10 mètres aussi, extra strong. Voilà. La méthane, c'est qu'ils se coupent qu'au ciseau. On ne peut pas les couper, vous savez, comme ceux-là, là, les blancs. Se coupe avec un bloc acrylique, tac, coupé. Voilà. Donc j'ai refait mon petit stock. Si vous entendez un petit fond, c'est mon ventilateur. Désolé. Ensuite, j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris ça. Alors ça, c'est quoi? Oui, alors une nouveauté chez Keepers Creative, pardon. C'est les toutes petites, les mignonneries, comme j'appelle moi, ce sont de petites, des miniatures en fait, hein, voilà. Je vais vous sortir le papier tout à l'heure, ce sont des miniatures, et regardez ce que j'ai pris, des petits cintres. Alors c'est trop joli, parce que j'ai une vitrine à faire pour une girl, et dans la vitrine je voulais peindre des petites robes que je vais fabriquer bien sûr. Pas en laine, hein, celle-ci, pour fabriquer un tissu. Alors, je me suis repris une gomme blanche, Faber-Castell, s'il vous plaît, parce que la mienne, mon petit-fils a joué avec, il l'a massacré. Donc là, je me suis pris une wow en noir. C'est du noir graphite. Voilà, c'est du noir, hein, tout simplement, parce que j'en avais plus. J'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pris un petit peu plus de. Comment ça s'appelle? Je verrai à la prochaine commande. J'ai pris de la laine, donc voilà. Et oui, je me suis pris quelque chose de très important que je vous montrerai à la fin. Parce que celle-là, elle me plaît beaucoup. Et j'essaye d'attraper au fond de mon truc, là. Ici, je suis bidou. Voilà. Donc. J'ai pris du Studio Light avec ça. Donc, cette bonne femme, elle est trop rigolote. Voilà, elle est là. Et ça, c'est du Art by Marlène. Hein. Il me semble bien. Oui, Art by. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, elle est trop rigolote, quoi. J'étais plié de rire quand j'ai vu la méduse là, la pieuvre avec une couronne sur la tête. Alors je regarde les détails, j'essaierai de vous montrer un petit peu la qualité des tampons quand je ferai une carte avec. Donc voilà, donc je me suis pris celui là mais je suis bien partie pour me prendre la collection complète. Je me suis pris aussi, j'adore ce qu'elle fait là, by Marlène. Bon, moi je suis une américaine sur YouTube qui fait des lives souvent dans son magasin le soir, et elle parle français aussi, donc ça m'intéresse d'avoir les deux langues, donc voilà. Et ça, alors c'est une, c'est comme une gel presse, mais c'est une très fine, hein. Vous voyez, j'appuie dessus, c'est mou aussi. Hein. Et regardez, elle a le même travail que la gel presse en beaucoup moins cher. Moi, pour tester, parce que j'avais un petit bout là, de la mienne qui s'est cassée. Enfin, oui, elle a eu un accident. Bon, voilà. Et franchement, bon, c'est beaucoup plus épais. Mais celle-là, j'ai dit, je vais l'essayer. Hein. Ben, ça mange pas de pain. Hein. Celle-ci, c'est la Nélise, hein, c'est pas la marque Gel Platz. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et ensuite, donc, ce sont que du by Marlène. Alors j'ai pris celui-là. Ce sont des éléments. Vous savez, comme des. Pas des stickers. Hein. Ce sont des éléments à coller pour le. Pour le. Bah, elle est là, tiens, la baigneuse.
me fait trop rire. Le chien, là, il est trop rigolo. Voilà, ce sont des éléments prédécoupés à coller pour le hard journal, pour des cartes, pour ce que vous voulez. Oh, purée, celle-là, comment elle me fait rire. Ah, vous la voyez pas, vous. Mais je vous la montrer. Là. Ah, purée. Mort de rire. Donc, attention, je ne me moque pas des gens qui sont bien enrobés, puisque moi aussi, je suis très bien enrobée. Voilà. Donc, mais c'est. Le dessin, le design, voilà. C'est trop rigolo, quoi. Elle me fait trop rire ce qu'elle fait. Marlène. Bon, après, il y a des choses un petit peu plus simples. Alors, j'ai pris celle-là, c'était à la plage. Et puis après, j'ai pris donc Arabia. Donc, c'est pareil, hein, il y en a 250. Il y a des lampes, il y a des chameaux, des. Voilà, il y a un peu de tout. Regardez le petit chat. Ici, le petit chat. Ah, trop rigolo. Des bordures, des fleurs, des napperons, il y a de tout, hein. Voilà, des mots, une petite princesse. C'est assez coloré, hein, by Marlène. Marlène, voilà, c'est très très coloré, faut aimer. Et ensuite, ben voilà, là, on a donc toute la collection, je pense. Mais c'est que Arabia. Ouais. Je cherchais donc à avoir le hibou. Regardez l'éléphant. Là. Trop. Les deux. Hein. Les deux sont trop rigolos, quoi. Franchement. Moi, ça me fait mourir de rire, ça. Alors, les papillons et les libellules sont vraiment très très jolies. Je sais pas, la libellule. Voilà, je vais pencher comme ça pour que vous la voyez. Elle est très jolie. Et la petite rose qui est juste en dessous, là. Ici, là, elle est magnifique. Voilà, après, on a toutes les poupées. Les maisons. Voilà, moi, je l'ai surtout pris pour lui. Parce qu'alors, il me fait délirer ce truc. C'est un oiseau, je sais pas quoi. Avec les gros yeux, il y a le tampon. Et moi, il n'y en avait plus quand j'ai commandé, sinon j'aurais pris le tampon, mais il n'y était pas. Donc voilà, après on a les chameaux, on a, vous voyez, papillons colorés, enfin de quoi faire quoi. Donc là, vous avez 250 éléments, 250 éléments, je vous montre derrière ce que ça donne sur tous ceux qu'elle fait, by Marlène. Alors voilà. Je sais pas, je vais vous faire peut-être un zoom s'il veut bien quoi. Ouais, mais bon. Voilà. Comme ça, vous voyez. Peut-être si vous voulez la référence. Alors, elle est là. Référence. Et comme j'ai fait un zoom, ça fait trouble. Alors, je vais dézoomer et vous l'approcher. Je pense, je sais pas, sinon je vous le marquerai. Voilà, c'est très très joli. Et là derrière, pareil, c'est pas les mêmes, hein. Pas du tout les mêmes. Donc là, je fais pareil, je vous les mets là, je vous mets ici. Voilà, c'est très très joli. Enfin, moi j'aime bien, après ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. Donc comme on dit, hein. Donc voilà quoi. C'est plus compliqué. Et celui-ci, c'est Sofiche. Sofiche, bon, pour moi, c'est à la mer. Hein. C'est 250 éléments aussi. Et donc, c'est à la mer. Voilà, et vous en avez plusieurs. Ça, c'est tous les papiers qu'il y a à l'intérieur, en fait. Je suis bête, moi, je croyais que c'était les albums. C'est tous les papiers, toutes les feuilles qui sont à l'intérieur. Je suis, hein, je dirais pas le mot. Ben là aussi, en fait, c'est pas les albums. Les albums, j'en ai vu, il y en a 5, je crois, ou un truc comme ça, 4 ou 5. Hein. Voilà.
Donc c'est bien les feuilles qui sont à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour ça. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai pris ceci. Donc c'est la peinture de By Marlène. Voilà. Parce que dedans, on a du fluo, il y a 6 XL pans, c'est-à-dire des gros bacs. Et voilà. Alors, je ne vais pas faire des plombes sur la vidéo. Je vous mettrai les raccourcis dans la barre de tâches. Celles qui veulent le lien Keepers créatif, enfin le mien quoi, ben, je le mettrai. Pour pouvoir acheter. Après, si vous ne voulez pas acheter, c'est une obligation. Hein. Bon, voilà. Je le mettrai quand même en barre de tâches. Voilà. Ça, donc, c'est la Neon Watercolor Paint de chez Marlène. Et c'est une boîte carrément. Vous avez même le papier pour faire les tests ici. Et le papier est assez épais. Hein. Et bien sûr, elle se ferme. Voilà. Ils sont pas mal les bacs. Hein. Ah ben lui, il est tombé. Allez, pouf, tu retournes où tu étais, toi. Alors, il y a un pinceau, un truc là, un réservoir d'eau. Et voilà quoi, c'est assez sympa. Ouais. Voilà, je me suis fait un petit plaisir parce que j'aime bien ces produits à By Marlène. Et voilà, je l'ai mis à l'envers tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est tombé. Voilà, donc c'est écrit ici. Je l'ai trouvé très sympa. Et la référence, c'est ça. Elle est là. Et c'est... je vous la marquerai. Ou si vous la voulez, vous me la demandez. Voilà. Bah, écoutez, il y a plein de nouveaux produits. De très jolis produits, en plus, en ce moment. Donc, je vous laisserai regarder. Je vous mets ces jolis... moi, je vais tester un petit peu tout ça. Je vais essayer, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de ces beaux stickers. Je les avais vus aussi chez Camille Scrap, il me semble. Oui, je les ai vus passer chez Camille Scrap. Elle avait fait une commande à Keepers aussi. Mais par une personne qu'elle connaît. Voilà, donc ce que je vous conseille d'aller regarder, c'est les miniatures. Franchement, il y a des choses, c'est hallucinant, quoi. Le petit grille-pain, le petit... voilà, si vous voulez faire des petits cadeaux, vous savez, pour accrocher, par exemple, sur un album, pour voilà, faire un petit bijou, peu importe, pour faire un cadeau à une copine, ben, voilà, c'est le moment idéal, voilà. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous montrerai, je vais faire une vidéo sur mes créations en laine cette fois-ci, je vous montrerai toutes les princesses, c'est ça que j'ai fait, parce qu'il y a Response, il y a, voilà, il y a plein de princesses, je vous montrerai ça, ok? Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis bon week-end, parce que ça m'étonnerait que je refasse une vidéo d'ici là. Et puis je vous dis, bah, amusez-vous bien et surtout attention à vous et prenez soin de vous. Bisous, bye bye.